compliquée, bien plus lourde, et qu'il faut être Camoche pour arriver à maîtriser tout ça. Now taking off a very stunning machine. It's a war machine. It's a combat machine. It is comes from Russia, and this is the first time we see it in the West. This is a Kamov KA-52 Alligator. It's a combat machine, twin rotor machine with two coaxial rotors turning one on top of the other. The purpose of this arrangement is to cancel the enormous torque generated by your rotor. You have one rotor turning in one direction and the other one is turning in the other one in the other direction, and hence the two torques are just nullified, and the machine becomes much more maneuverable. And it, at the same time, you dispense, of course, au maximum pas loin de 11 tonnes, 10 tonnes 8 exactement. Il est propulsé par deux moteurs, deux turbines de 2400 chevaux, ça fait pas loin de 5000 chevaux pour l'amener à travers le ciel. Et c'est un biplace de combat avec deux membres d'équipage installés côte à côte. Very heavy one, it weighs nearly 11,000 kilos on takeoff, it's nearly 1,000 horsepower. Carries a machine across the sky. It's quite fast, it can be flown at 3,300 kilos. Particulier que il est lourdement protégé, lourdement blindé. C'est un hélicoptère dont l'une des fonctions est de servir de poste de commandement volant en zone de combat. Il peut coordonner, il est équipé pour coordonner l'action de plusieurs formations d'hélicoptères à la fois. Et bien évidemment, il est aussi capable, sous ses moignons d'ailes, il est capable d'emporter des armements extrêmement importants, à la fois par le nombre et par la masse. In terms of weaponry, this machine has, as you see, stubs on each side of the fuselage, and it can be real heavy. L'alligator est aussi capable de monter relativement haut, à 5500 mètres. Le stationnaire peut être tenu à une altitude élevée de 3900 mètres. On reste donc à la puissance installée. C'est une machine extrêmement manœuvrante. It's a very maneuverable machine, and so it can be used for air-to-air combat. Against other helicopters, of course, but also against the combat aérien, air-to-air combat, et il peut être engagé en combat aérien contre d'autres hélicoptères, mais également contre des avions, à partir du moment où ces avions sont relativement lents. Enfin, donc, c'est un hélicoptère qui est véritablement dû à sa masse et à sa vitesse, mais aussi de l'unité d'efficience même. Gear down because this is an app.